Même séance. Ouais, voici Captain Fleur, c'est plus connu sur le nom de champion. Même séance, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Une aventure vlog. Aujourd'hui, le vlog, c'est dans le fond le 1er et le 2 juin. J'ai été à une convention, festival. Mais c'est une pour moi, c'est une convention qui est le Geekulture. Qui se trouvait à l'Assomption. Et. Pourquoi j'étais là? Durant cette journée-là, cette fin de semaine plutôt, la première journée c'est pas super, il faisait beau, la deuxième il a mouillé, mais c'est pas grave. Comme dans chaque convention, il y a plusieurs cosplayers, il y a du super-héros qu'il y a eu, puis tout ça. Et j'ai resté jusqu'au bout, puis même mascarade. Comme vous pouvez voir, j'ai pris en photo Dumblebee. Encore de la misère, je sais pas combien de fois qu'on me l'a dit, la prononciation est correcte. C'est donc bien compliqué l'anglais. Puis j'ai chaud, je sais que j'ai une veste, mais j'ai chaud. Même en veste. Demandez-moi pas pourquoi, parce que je suis en veste, c'est juste pour la vidéo. J'ai fait quelques achats aussi, mais je vais revenir ça un peu plus tard. J'ai fait bien évidemment du tir à l'arc, un tout petit peu. Ah, c'est le fun. Mes flèches, je les ai envoyées à l'autre part. J'ai pas réussi à pogner une fois la cible. Ouais. J'ai la force, mais pas la précision. On va se le dire. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit auditorium, on va dire ça de même, avec une petite scène, donc, tout ça. Il y avait des places où une place où on pouvait acheter des choses comme n'importe quelle convention. Et tout le kit. Dont on pouvait voir aussi une personne en particulier. Je cherche le nom de ça, mais peu importe. On va dire des panélistes. Du monde des kiosques, on va dire ça de même là. Puis dont un qui est. J'ai oublié le nom. J'ai pas regardé. Mais c'est la chaîne du père de Steelers qui était là, qui dit le père de Steelers est là, qui dit que Steelers était là. La raison principale pourquoi j'étais là est pas mal pour Steelers. Et je suis bien content de pouvoir avoir pu rencontrer Steelers. C'est pas la première fois, c'était la deuxième fois. Mais la différence, la première fois, c'est que j'avais pas ben de temps. Quand là, on a pu discuter. La fin de semaine en général était relax. Il y en a qui pensaient qu'il n'y aurait pas vraiment eu de monde dimanche, mais il y a quand même eu plus de monde que prévu. Voir. C'est relax, une petite convention tranquille. Mais c'est le fun, ça je peux vous dire. Il y avait une maison hantée. Il y avait. Vous pouvez emmener votre auto-téléguidé, dont je ne me souviens plus du nom, pour faire franchir des obstacles, tout ça. Il y avait quelques machines de jeu, mais par contre, vous pouvez essayer de la réalité virtuelle. Mais malheureusement, il n'y avait pas Super Smash Bros. Dommage. Habituellement, les conventions, malgré que là, c'est marqué festival, mais pour moi, c'est convention. Mais je trouve ça dommage, mais ce n'est pas si grave que ça. Bien sûr, j'ai fait quelques achats. Je vais vous le montrer à l'instant. Bien sûr, j'ai fait quelques achats. Une qui est... C'est rien, là. Ça me tentait juste d'avoir ça. Que je vais vous montrer. J'avoue, j'avais pas prévu de dépenser. La première affaire, c'est un... Bon, c'est pas la première chose que j'ai acheté. Mais... Comme vous pouvez voir, c'est un petit Pikachu. C'est une petite cloche, une petite clochette de Pikachu. Moi qui suis fan de Pikachu. Si vous ne le savez pas, il y a un petit problème parce que je parle de Pokémon. Puis mon Pokémon préféré, et c'est Pikachu. En continuant avec les achats, j'ai aussi ceci du 3D. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas ouvert encore. Faites fonctionner. Voilà Pikachu. Dans le fond, c'est une lumière. Un peu. Dans le fond, c'est une lumière laser qui reflète dans le verre. Dans le fond, c'est à peu près ça.
Puis ça fait illuminer dans ce cas-ci, le Pikachu. Il y en avait différentes, mais c'est ça. Il y a une autre affaire aussi qu'il va y avoir, mais ça va être une vidéo spéciale dédiée pour ce que je veux faire. Parce que vous allez voir, c'est une autre affaire, mais là, faut que je manque de temps, tout ça, des fois. Puis ça ne tombe pas nécessairement, en plus, il fait chaud. Mais je vais finir par le faire, c'est juste. C'est ça. Je vais le faire une affaire. C'est un achat. Mais qui est relié à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait aussi où j'ai fait du tir à l'arc? Il y avait aussi une affaire qu'on pouvait se combattre. Donc, c'était comme du grandeur, pas grandeur, une affaire comme une affaire médiévale, tout ça. Grandeur nature, je peux pas dire ça nécessairement parce que c'est pas grandeur nature. Mais dans le fond, c'est comme. Je sais pas si vous avez déjà vu des combats de. Exemple, ils partent une fin de semaine et ils ont son affaire de rôle, bien évidemment. Il y en a qui sont chevaliers, il y en a qui sont ci, il y en a qui sont des personnages mythiques, ouais, on pourrait dire ça de même. Comme des gnomes, des affaires, des orques. Puis le but c'est de faire une guerre dans tout ça. Je pensais plus c'est quoi du nom. Mais dans le fond c'est un peu ça qu'il y avait là. Et j'ai quelques vidéos à vous montrer. Steelers a combattu. Je vous laisse regarder. Il y a aussi un autre qui était surprenant aussi. Il y avait Kev qui était aussi présent. Très bon. je vais vous laisser avec tout ça à l'instant. Alors, je suis présentement dans les mondes de Zariza et je vais me battre à l'épée contre d'autres gladiateurs. C'est parti! Ok, lui, il sort en soi, ça va marcher là. Non, je vais prendre moi juste une épée. Fait que lui aussi, t'as deux épées, mais c'est deux longues épées. Moi, j'ai deux petites de merde. C'est toi qui as choisi. Mais il y a beaucoup trop de gladiateurs. Déjà tout le monde. Oh! 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 Excusez! Tu vas faire un hey, t'as sûr, hein? C'est pas commencé! C'est Jimmy! Tire l'avant! Il m'a abandonné? Ah non, pas ça, j'ai la tête dans mon sang! Il est dangereux, lui, attention! Décidément, Steelers, t'es pas fait pour ça. Non.
Le premier à mourir dans un accord. Regarde, il y a quelqu'un à côté de toi. Qu'on amène mon 12. Oh, oh. Oh! Par une fille en plus! Égalité 1-1! Match décisif! Fight! Tu m'as slicé! De quoi tu parles? Déjà! Ne laisse pas avancer en fait. Faut pas le laisser avancer. Faut pas le laisser avancer en fait. Et qui va l'air. Vous jamais fait ça avec lui. Ça va être bizarre. Ok, on commence. On la cabane. On commence. Du coup, elle est chienne. Oh! Check-le, check-le! C'est un marteau! Marteau! Foutis pas avec la pointe! Un marteau avec une pointe! Une pointe! Ma jambe est morte! Oh, jeu à ninja! Ça, c'est drôle! Teenage Mutant Ninja Turtle! Yeah! Ben, tu m'as eu, ça veut dire. Tes jambes. Ben, tu jambes ça. Ouais, ben. Non, bah, avec le bouclier. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a coupé le bras. Ouais, t'es meilleur avec un bouclier qu'un marteau, toi. T'as l'air d'avoir mal pour un gars qui a plus de bras. Ouais, ben. Just a flesh wound. Fait que là, tu frappes avec la tête, là. Est-ce que Gorky a gagné? Ben là, c'est le bon. Oh! Le petit attaque sournois! Yes. Comment qu'on fait ça, là? C'était pas une jambe, ça. Oh! Une jambe en moins, hein? Il est pas pacifique pantoute, ce moine-là! C'est un moine guerrier! En fait, je pense qu'il est pris le plus dangereux de la vie. Sérieux? Envoyez-y un sort! Décolle ici! Oh! Envoyez-y un sort! Oh! Oh! Oh non! Le foulard! Le foulard, c'est décoratif, ça sert à rien! Peut-être pour moi l'accrocher après! Tu peux l'enlever si tu veux. La technique du marteau, hein. Tu vas pas t'en rouler, hein! Oh! 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 Blocage! Oh shit! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te déplaces comme ça? Ok! Ton bouclier est brisé! Échappe ton bouclier, tu l'as échappé! T'es trop dedans! C'est le maître du jeu! Un dragon arrive, les gens! Tremblement de terre! Ah, il s'y donne! Oh! Oh yeah! Oh! Oh, oh yeah! Oh my God. Il est agile, le Gurky! Oui, Marie! Un combat à moi! Moi, je veux bien faire un bâton! Tu veux taper des bâtons? La même peut-être! Juste une petite masse! Ah, demain! Demain, t'as un meilleur avoir! Je veux pas que tu veux aller! Oh! Il gotcha! Oh, les deux! Les deux!
damn, ça a rentré. Ça va un 2 contre 1. Ouais, ben les deux. Hey, 2 contre 1. Dans le cœur. 2 contre 1. Ok. Le petit moine. Puis comment c'est tes sentiments face à ça? Pas en forme, puis je suis gros. Non, viens pas te traiter de gros. Viens pas te traiter de gros. J'en ai vu des bains plus corpulents que toi qui viennent se battre au gym. Non, mais pas en forme. Ah, arrête. Faut juste s'entraîner un peu, s'échauffer avant. Puis... Ouais, je suis pas de cardio encore. Ouais, moi aussi, je suis une combattante. Ça fait 4 ans que mon métier, c'est détesté sur le chaise d'ordi. Vu où c'est que la chemise noire, c'est un joueur. Ouais, avec le cardio, il a plus de bord. Oh! Ça, c'est bon. Kev, il va se payer. De quoi, lequel? Oui. Oui, parce qu'il s'appelle Kev aussi. Ah. Mais le youtubeur, je dis. Oh! Ça, c'est un guerrier. Oh! Ouais, mais au moins, il est arrêté à cause de la. Ah! Oui, il va lancer la bouteille sur le pierre d'eau. Ça pourrait être Mike. Tu vas voir contre l'épée, tu vas tomber dégueu. Je crois que c'est un magicien sur le terrain. Tu vois ça? Bon, on est de retour. Comme que vous avez pu voir, c'est surprenant. Pauvre Steelers. Ça aurait été bien qu'il soit bon, très bon comme dans Safety. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas bon dans tout. Mais comme que je disais, Kev, waouh, lui c'était impressionnant. Comme qu'on on peut voir dans ces vidéos. C'est sûr, s'il y a certaines choses que j'ai oubliées, il y a des photos que j'ai oubliées ou quoi que ce soit, vous allez tout voir ça à la fin. Si j'en ai oublié ou quoi que ce soit. Et en affaire aussi. Et je remercie la personne. Voilà. Signé par Steelers. Je te remercie Steelers grandement. Mais cette fin de semaine-là, c'est vraiment été une fin de semaine relax, tranquille. Mais une belle fin de semaine. Je pensais plus tout ce qu'il y avait parce que j'ai chaud en même temps. Puis je disais... Ah, c'est à peu près ça. Bon, ça va être toujours mes meilleurs moments, mais c'est pas grave. Ah, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Si j'ai oublié de quoi, je vais l'indiquer tout simplement. Que oui, il y a de quoi. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore les visiter mon site internet dont le lien est sur le panier de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Quelconque. Je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir une prochaine vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Juste comme ça, le podcast de Luduc avec Steelers et l'autre. Avec Simon et l'autre personne, je m'en souviens plus c'est quoi son nom, le chanteur. J'étais. J'ai assisté à ça. Alors pour ça, merci à tous.